J'ai chaud. T'as chaud? Ouais. Ah ouais, mais de toute façon, le talent c'est beaucoup de sueur. 1% de génie, 99% de sueur. T'es content de ce que vous avez fait avec ton acte? Bah oui, sinon je serais pas là à m'éclater à faire le clip. Yeah. Je sens que je vais me tirer une balle au montage. Ah mais ça c'est un choix de vie. Parce que là on doit avoir quelque chose comme 4 heures de rush. La journée est pas finie, on va arriver vers les 6 heures de rush. Tout ça pour 5 minutes de clip. Mais quelles 5 minutes? Quel clip? Et quelle pendaison je vais faire dans 2 jours? Donc ça, c'est une double pédale. C'est en clair, bon. Non mais l'objet que tu tiens dans tes mains sinon. Salut. Allez go Romain. Allez go putain. Allez Mais non. C'est vrai qu'elle est pas une fois qu'on est dedans en fait. C'est une petite source lumineuse que tu vas mettre autour de ton objectif. Excellent, ouais. Et ça fait de la lumière en plus, mais voilà, si t'es prêt, tu commences à le voir. Et dans mes yeux, normalement, t'as un cercle. Dans les lunettes, surtout. Dans les lunettes. Attendez, fumez. Allez, musique. Raise up, what the fuck?
Oh, comme c'est génial. Tu vas trop trembler, j'aime pas, mais pour le moche part. Là, c'est juste à ce moment-là. Ouais, pour le moche part. Entre deux images, tu mets un large, tu mets un plus serré pour pas que ça soit trop. Avec la fumée et tout comme ça, mais c'est génial. Ah, ça, c'est un mec que j'ai connu il y a 15 ans, mon gars. 15 ans et on s'est. C'est comment on s'est connu? On s'est embrouillé sur une salle embrouille, mais vraiment minable sur un jeu Resident Evil, tu vois. Ouais. Je te vois. Je suis l'œil de Sauron. Toi, t'es l'œil d'un con. Non, mais dans tous les cas, demain on se lève vers 7h30. Comme ça, on prend une heure pour installer les instruments. À 8h30, 9h maximum, on commence à faire le maquillage. Dès que Yuka est maquillé, shoot photo. Et après. Vous voulez savoir ce que c'est le secret d'un bon charlet? La paire de chaussettes sales au milieu. Ça, l'attention. Propre, c'est pas pareil. C'est les petits joueurs qu'on met des propres. Première grosse journée, terminée. Maintenant, c'est l'apéro. Alors je me présente, je m'appelle Yuka, je suis guitariste leader dans Pandacte. Moi c'est Yuka, guitariste leader de Pandacte. C'est ça? Bon, alors je m'appelle Yuka, je suis guitariste leader de Pandacte. Non, on l'a refait. C'est tout. Alors je m'appelle Yuka, je suis guitariste leader du groupe Pandacte justement. Je m'appelle Valère, je suis bassiste. Je m'appelle John, mon rôle étant guitariste rythmique et lead. Tout simplement. Donc moi c'est Antoine, je suis le batteur du groupe Pandacte. Pandacte a été créé en 2004, donc ça fait 7 ans que le groupe existe. C'est l'esprit famille. Si je dois dire un seul mot à ce sujet, ça serait le mot famille. Une des premières phrases que Yuka m'a dit, c'est que le groupe, pour lui, c'est une famille. C'est comme je disais, le groupe c'est une famille. J'étais plus influencé vers des groupes comme Motley Crue, Guns N' Roses. Quand j'étais adolescent, j'écoutais plutôt du rock, du punk. Ah bah j'ai commencé à écouter du Maiden, écouter du Children of Bodom, écouter du Metallica, écouter des groupes plus obscurs comme Between the Buried Enemy, etc. J'ai commencé par le punk rock. Mais depuis que je suis dans Pandacte, j'écoute plus des styles du genre Norther, Ensiferum, Children of Bodom. Au début, je croyais comme tout le monde que le métal c'était Satan, boue, on est les méchants. Le métal n'est pas une musique satanique, c'est des sectes et toutes ces conneries. On n'est pas des gens méchants. Quand tu joues avec quelqu'un sur scène, c'est vraiment la personne, tu dois la connaître de A à Z. C'est une sorte de communion entre les musiciens et le public. Pour moi, il n'y a rien de plus fort que être derrière son instrument et entendre le public en train de crier « Hey! Hey !» Bah, c'est que du bonheur. C'est vraiment quelque chose de magique. Sur ce tournage, je suis assistant caméra. Yeah. Et en gros, je m'occupe de faire en sorte que tout le matériel soit prêt pour le moment où ça tourne. Explique-nous un petit peu ton métier de régisseuse. Oula, vous s'occupez de tout le monde. Ils font pouponner les gens. Mais c'est vrai, ils sont pas trop capricieux, les routeurs. Oh non, vous êtes tous des amours. Aïcha, là, qu'est-ce que tu fous, là, encore? Donc, t'attends, là. Assois, c'est ça. Oui, je crois, de temps en temps. Par contre, ça, tu vois, c'est l'avenir. Yeah. Ouais, le mec, il vient de me demander où ils sont, quand même. Il y a une table où il y a que de la bouffe, ouais, tu vois. Il y a une table. Dans tout le truc, il y a une table. Je suis le gras, c'est la vie. Je suis prêt posé à faire tout le brouillard avec un super instrument. Bah, salut, moi c'est Will, Wildrick Liévin. Je me suis occupé de produire, enregistrer, mixer l'album, masteriser aussi. Et aussi, on va dire chef op, je m'occupe de la lumière, je m'occupe aussi de tout ce qui est machinerie, tu peux, voilà. En fait, ouais, le 14 il est déjà sur la grue, donc on va pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place du 14? Bah, on a un 17 quelque chose. Ouais, le fisheye.
voyez là? Il fait chaud là. Là moi je meurs là. Regardez un spot là. Il y a un spot là. Il y a l'autre qui est en train de venir me coller là. Je bouge dans tous les sens. Je meurs. Et dis-nous un petit peu l'avenir avec Pandact. Bah, beaucoup de concerts. Hier. On a une petite tournée dans 2-3 mois. L'album qui va sortir. On va monter donc une grosse structure de studio dans ce cadre ici. Pour l'instant, c'est en travaux. On a une petite structure et ça va devenir assez gros d'ici un an et demi, deux ans. Vraiment bien installé. Et voilà, on espère continuer à faire de gros albums. Et puis, je pense qu'on va faire un... Je pense qu'ils viendront faire le deuxième album ici, si tout va bien. Merci. Merci à vous. Dernier mot. Champignons.